Alors là, vous êtes en train d'assister au rembobinage d'une bobine de 600 mètres. Rembobinage manuel, comme dans les années 50. Nous allons procéder au chargement du film. C'est un projecteur Philips fabriqué en Hollande dans les années 50. Le film est chargé. Maintenant, nous allons nous occuper de la lanterne à arc pour le changement des électrodes. Voilà, le charbon positif est en place et le charbon négatif va l'être aussi. Ces charbons vont être alimentés de quelques secondes par 60 ampères qui vont nous donner une flamme à un arc à peu près identique à la lumière du soleil. Alors, on démarre, on allume l'arc. Voilà, il est allumé. On peut le contrôler sur ce petit écran. On voit les deux électrodes, il faut qu'elles soient bien sur les deux trains, sinon la lumière est mauvaise. Et puis là, on peut également observer le charbon en incandescence à travers le petit hublot. L'ampli est allumé. Ampli à lampe également 1950, toujours fabriqué par Philips en Hollande. Je vais procéder maintenant à l'extinction de la salle. Pardon. Je ne sais pas si vous pouvez laisser la lumière allumée ou la seule. Et on va démarrer. Un film d'actualité. Comme un bloc uni dans les prochaines conférences internationales. Les six se sont par ailleurs déclarés favorables à l'idée émise par M. Georges Pompidou d'une réunion en temps opportun des chefs d'État de la Communauté économique européenne. Avec E.ON, la France possède désormais son premier satellite d'application, c'est-à-dire directement utilisé.
doit contribuer à une meilleure connaissance des vents à haute altitude dans l'hémisphère sud et par conséquent à une prévision météorologique plus précise. Shelter, mot anglais qui signifie abri, est le nom qu'a pris la campagne britannique pour les sans-abri. C'est dans le cadre de cette campagne qu'a été organisé le Grand Prix international des escargots avec le concours des élevages anglais. C'est du pas de tir de l'île de Wallops, qu'Éole est propulsée dans l'espace par une fusée scout. Avec ses quatre étages, elle est en fonction dans les dynamiques à l'échelle du globe. La mode se fait moins tyrannique, ainsi qu'on peut le constater chez Cicero, mais perchée sur ses hauts talons, elle ne se refait pas de son acte de naissance. Elle l'ignore ou fin de l'ignorer. Elle le traite avec humour, comme elle traite la vie en général, la vie qu'elle aime. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle ne cesse de bouger, ce qui lui permet le vêtement qu'elle porte et qui a été conçu en fonction de ce défaut, de cette qualité. Si c'est un défaut, elle fait semblant de s'en défaire. Son allure, quoi qu'il en soit, demeure vitale. Elle adore la fantaisie, et si elle ne repousse pas les modèles monocolores, elle semble avoir une petite préférence pour les imprimés violents qui font ressortir les robes chemisées blanches. Un soir, elle choisira l'ensemble pantalon, ou bien encore la robe tigre. Elle ne dédaigne pas non plus les manches gigots qui rappellent la bête. Le port de Marseillan connaît aujourd'hui une grande animation. Tout le monde, semble-t-il, s'est donné rendez-vous sur le quai pour les fêtes du Cap-Ennet, ce qui veut dire chapeau. Le jeu consiste en effet à aller décrocher les chapeaux qui se trouvent à l'extrémité d'un mât, à jouer 40% au-dessus de l'eau, l'heure 18 mètres, et en dessous. Avec des effets que vous pouvez constater et dont se réjouissent fort les spectateurs. De sens de l'équilibre, il est indispensable de savoir nager et plonger dans des positions parfois assez curieuses et toujours amusantes. Vous en savez maintenant assez pour suivre avec la suite des opérations. Les épreuves revêtent ici divers aspects. Certaines se disputent sur une ligne droite d'environ 400 mètres et opposent soit deux concurrents, le premier arrivé étant naturellement le vainqueur, soit par départ individuel, le classement se faisant alors au meilleur temps. C'est ainsi qu'un nouveau record sud-africain a été battu. Il s'établit maintenant à 9 secondes 68 centimes. Nous sommes en présence ici de performances assez différentes de celles auxquelles nous ont fait assister les escargots disputant en Angleterre. Le rôle important du chèque est souligné par le fait, établi lors d'un récent sondage d'opinion, que 56% des Français sont titulaires d'un compte bancaire. L'expansion constatée ces dernières années dans ce domaine est due aux modalités de la vie économique actuelle. Cependant, la clientèle souhaitait une adaptation des horaires d'ouverture des ventes et un moyen d'éviter les prolongées attentes de 6 minutes. Pour répondre aux besoins du public, les banques populaires viennent d'inaugurer simultanément à Nantes à Thionville, ainsi qu'à Paris, en présence d'un membre du gouvernement, les premiers distributeurs, appareils d'un type tout nouveau, pour la distribution automatique de billets. Il suffira pour les utiliser de posséder une intercarte à piste magnétique, sur laquelle figurent notamment toutes les indications relatives à l'identité bancaire du client et au montant des retraites hebdomadaires possibles. L'appareil reçoit sa précieuse cargaison de billets. Le titulaire d'une intercarte est seul à pouvoir l'utiliser, car pour effectuer un retrait, il doit tabuler sur l'appareil un numéro de code strictement confidentiel afin d'éviter les aléas pouvant découler de la perte ou du vol de la carte. Le service caisse le plus utilisé par les particuliers pour les porteurs de cette carte, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tous les points équipés de ce nouveau système.
ça ne commentera pas. Oui. DP70 fabriqué par Philips Hollande dans les années 60. Cet appareil permet de passer des films 70 mm en Todao ou alors vous pouvez également passer des films en 35 mm. Il y a double emploi. Il est équipé de la célèbre Super Zenith 450, lanterne à arc haute intensité. Cette lanterne, pour la petite histoire, elle a été fabriquée aux États-Unis. Et par contre, souvent vendu en Italie sous le nom de Cinemeccanica, Super Zenith 450. Il y a son redresseur qui permet de faire un courant d'environ 100 ampères. Et je vais maintenant ouvrir le chrono pour vous montrer l'intérieur des différents galets, des débiteurs, etc. Vous remarquerez l'objectif qui est énorme. Et puis à l'avant, il y a deux moteurs, un moteur pour le 35, un moteur pour le 70. Nous allons ouvrir les carters pour montrer l'intérieur. Le film qui est actuellement dedans, c'est un film 35 mm, dont vous remarquerez des superbes bobines arborant un peu la Marguerite Gaumont. Ces deux projecteurs étaient dans les années 50-60 au Palais des Congrès de Lyon. C'était la Rolls des projecteurs, le projecteur le plus performant et le plus coûteux au monde. Ce phonographe permettait de passer des disques à l'entracte. En fait, c'est un phonographe à saphir. On pouvait passer des disques à l'entracte et également sonoriser une salle de bal, puisqu'à l'époque les sièges du cinéma s'enlevaient très rapidement et on pouvait transformer la salle en salle de bal. Et la particularité de cet appareil, c'est de ne pas consommer de courant du tout, ça marche tout seul avec un sort, et le disque à saphir commence par le centre, comme vous allez pouvoir le constater, au lieu de partir de l'extérieur, il part par le centre. Balzac 0001, Jo Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.